Bonjour, désolé pour le retard. Merci. D'ailleurs, pour ce premier cours, on devait sculpter un animal. J'ai pris un loup parce que tu connais, je suis un mâle alpha. Au départ, il fallait faire le squelette à l'aide de fils de cuivre qu'on vient dénuder. Franchement, c'est archi satisfaisant. J'ai ensuite lié les deux fils pour que la colonne vertébrale soit bien solide. Ne se casse pas la gueule. Après avoir bien comparé le schéma et la tige, je me suis occupé des pattes arrière et avant. Après ça, je suis allé chercher une petite planche de bois qui m'a servi de support. À l'aide de la perceuse que je maîtrise vraiment bien, on a dû percer des petits trous. Après ça, c'est le moment de la soudure pour que tout soit bien lié. Regardez comment ça rend bien. J'ai ensuite mis un petit coup de pistolet à colle pour que tout soit bien collé. C'était la pose, donc j'ai donné un petit bout de banane à biscotte. Oui, il y a un chien dans la classe, c'est celui du prof. Et après vient le moment tant attendu de la sculpture. Donc je démarre par le bas, donc par les pattes. Après avoir bien avancé, j'ai fait les quatre pattes et le petit buste. Après, je me suis occupé de tout lisser. Et après, je me suis rendu compte que j'avais fait la tête, mais on dirait un putain de monstre. Regarde-moi cette tronche. Après avoir bien retravaillé la tête, on commence à voir le loup. Et regardez-moi cette beauté. C'est la première fois que je fais de la sculpture de ma vie. Je trouve ça trop beau. Après ça, le prof est venu me corriger quelques petites erreurs. J'ai même rajouté un petit sac parce que j'avais un peu. Bonne toi si tu veux d'autres épisodes.